commence l'enseignement parce que ça va être, ce soir on va parler de deux ou trois âges, si Dieu permet. Parce qu'il ne nous reste plus que demain. Alors, Christ, à travers les anges, les âges, pardon. C'est vrai, quand on parle de Jésus-Christ, les gens ils se disent, bon, il est venu à 2000 ans. Vous voyez, non? Mais ils savent pas que, ben, il n'y a pas que, non, il a toujours été là. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Vous voyez? Donc, Abraham a vécu à quelle époque? Hein? Abraham a vécu, on va le voir tout à l'heure, vers 2018 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y aura plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, plus de 4000 ans avant nous. Vous voyez? Et le Seigneur dit, ben, avant qu'il soit là, il y a 2000 ans avant, quand il était là, sur terre, il y a 2000 ans déjà par rapport à nous. Et lui, il dit, à cette époque, il y a 2000 ans avant moi, là, avant nous, là, tous là, avant vous, là, ben, moi, Abraham, ben, je l'ai croisé. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Alors, on peut pas parler de Jésus-Christ sans étudier les âges. C'est pas possible. Et comme on l'a vu, les âges sont bibliques. Parce que quand on entend âge, on dit, non, mais c'est qu'est-ce qu'il nous raconte là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les âges, on a vu que les âges sont bibliques. Dans 1 Timothée 1, 17, on nous dit que Dieu est le roi des âges. Ok? Âge vient du grec aion. Aion qui veut dire éternité, pour toujours. Et voilà, âge, génération, tout ça. D'accord? Et l'équivalent hébreu, c'est ça, non? D'or, ouais, ou d'or, qui veut dire génération, descendant, et tout ça, et ça on a vu. Et on a vu que les âges, il y a des âges qui sont, il y a un âge qui est éternel, et il y a aussi des âges qui sont limités dans le temps, par le temps. Et je suivais les informations tout à l'heure, on parlait de quelqu'un disait, en parlant d'une personne, d'une star comme ça, on disait, ouais, son corps a pris un coup par le poids de temps, hein, le poids du temps. Alors ça m'a interpellé, le poids, vous voyez, c'est ça le temps là, limité là, l'âge limité là, comme un poids là, ça t'écrase, comme je disais ici là, tu vois, Dieu parle, hein. Voilà. Alors, on a vu que, ici, là, c'est quel âge? L'âge? L'innocence, c'est l'éternité. D'accord? Voilà, l'éternité passée. Et l'homme a été créé ici. D'accord? Et on a vu ici Christ comme étant la lumière, tout ça, on en a parlé. La résurrection, tout, tout, tout. Et ensuite, l'homme va chuter. Ici. Genèse 3. Donc, c'est quel âge ici? L'âge du remplacement. Oui, l'âge du péché a commencé ici aussi. Il n'y a pas de souci. L'âge du péché, c'est cet âge-là. De la chute au retour de Jésus, du Mashiach. D'accord? Donc, le deuxième âge, c'est l'âge du remplacement. Ce qu'on appelait hier l'âge de la responsabilité morale. Mais en fait, je préfère plutôt l'âge du remplacement. C'est-à-dire, Adam, en tant que gouverneur de la terre, a été remplacé par le diable, et le diable est devenu le dieu de ce siècle, ou de cet âge, d'accord? De cet âge, l'âge du règne du péché. Ça, c'est c'est l'âge principal. Satan est devenu ici le dieu de cet âge dont Paul parle. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'intelligence. Et les apôtres disaient, quand est-ce que ces choses vont arriver et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Donc c'est cet âge-là, vous avez compris, hein? Voilà. C'est l'âge du gouvernement du péché, du règne du péché, de la domination de Satan, tout ça, de la mort. Nous sommes compressés par le temps ici. D'accord? Alors les apôtres voulaient savoir quand est-ce que le Seigneur allait venir pour mettre fin à cet âge-là. Voilà. Donc on a vu hier l'âge du remplacement, comment, ou de l'introduction du péché dans le monde, tout ça. Et ce soir on va parler
d'un autre âge. On a vu que le Seigneur a coupé cet âge, l'âge du règne du péché en plusieurs âges pour pouvoir se révéler à chaque fois. D'accord? Parce que l'homme, à cause du péché, ne pouvait plus supporter, hein, la révélation de Dieu, sa présence. Donc Dieu, comme un enfant, Dieu comme un père, a compris que nous sommes des enfants, donc des ignorants à cause du péché. Eh ben, il va nous donner le lait du premier âge. Ensuite, en grandissant, lait du deuxième âge et ainsi de suite. Voilà. Donc, et maintenant ici là, il y a l'âge. Et alors dans le bureau tout à l'heure là, je priais un peu dans la présence du Seigneur. Et là, le Seigneur me donne aussi, parce qu'il est en train de bousculer les noms des âges là à chaque fois là. Ouh. Alors logiquement ici, on va parler de en fait, on va parler de deux âges ce soir là, celui-ci et celui-là. Alors ici, c'est l'âge de, on appelait ça l'âge du gouvernement humain. Alors moi dans le bureau là, je recevais aussi l'âge de Babylone. D'accord? L'âge de Babylone. C'est là que Babylone a commencé. Exactement. Bah oui. On en arrive, vous inquiétez pas. Il faut pas, si on peut lever la main, ce serait bien. Mais on attend, gardez vos questions, vous allez les poser après. Parce que les gens, on veut avancer vraiment là. Voilà, donc, l'âge, l'école s'il vous plaît, on parle pas. Sauf pour poser des questions, comme ça on va bien avancer. Donc nous sommes dans, par rapport à l'âge du gouvernement humain ou encore l'âge de l'instauration de Babylone ou du début de Babylone ou du règne, l'âge du règne de Babylone. Sachez que pour Dieu, il y a seulement deux villes. Il y a Babylone et Jérusalem. C'est tout. Babylone représente le gouvernement humain, le monde, la civilisation humaine, l'organisation gouvernementale humaine, le pouvoir humain. Et Jérusalem représente, bien sûr, la ville du grand roi. Et lorsque l'une de ces villes, lorsque Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et lorsque Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Et ces deux villes sont toujours en compétition, toujours en guerre, je dirais plutôt. Voilà. Toujours. Soit vous faites partie de Jérusalem, soit vous faites partie de Babylone. Et donc, on a vu l'histoire de Noé rapidement, et là, on rentre dans le gouvernement humain, dans l'âge de Babylone. Et nous sommes dans Genèse chapitre 10, justement. On peut même lire à partir du verset, on peut déjà commencer à partir du verset, chapitre 9, verset 29. Genèse 9, 29. Ensuite, on va aller dans le chapitre 10. Hein. Tout le temps donc que Noé vécut fit de 950 ans. C'est énorme, hein? Puis il mourut. Là, avec la mort de Noé, c'est la fin de l'âge. De quel âge? De l'introduction du péché. Donc c'est comme si Noé était venu pour clôturer un peu cet âge avec le déluge, tout ça là. Mais les démons qui étaient là, qui travaillaient dans cet âge, la continuent bien sûr, comprenez? Voilà. Donc, et avec la mort de Noé, ben c'est un, Dieu va maintenant, il passe, l'humanité passe encore à un autre âge. Avec la mort de Noé, on bascule dans l'âge de Babylone. Avec qui? Avec les descendants de Noé. Ok? Amen. Et au chapitre 10, regardez bien. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit de fils après le déluge. Les fils de Japhet furent, voyez, on commence à citer les noms des pays, d'accord? Gomer, Magog, Madaï, Magog, ça veut dire quelque chose, non? Voilà, Gog et Magog, ça c'est Gog et Magog, prince et un prince et son pays, hein? Donc voilà, donc Magog c'est la Russie, c'est certainement la Chine, tout ça là, mais des pays du Nord. Madaï, Javan, hein? Javan c'est quel pays à votre avis? La Grèce. Voilà, on commence à citer les nations ici. Qui ne savait pas que j'avance la Grèce? C'est le léopard, mes amis. Ben voilà.
Amen. Et on continue. Et Tubal, hein, Méchec et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, il y en a plein, plein, plein. De ceux-là furent divisées les îles des nations selon leurs terres. Chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Amen. Amen. Voyez? Mais sachez une chose. Ces langues, ces îles étaient divisées après la confusion de Babylone. Mais ils étaient tous, c'était un bloc, parlant une même langue, tous les enfants de Noé. Dieu n'avait pas encore confondu leur langue, hein, leur langage. Et là, on continue au verset 6. Et le fils de Cam furent Cush. Cush veut dire noir, hein, brûlé par le soleil, et hein, donc ou encore Éthiopie, l'Éthiopien. Cush, Saba, Avila, Sabteka, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. Donc l'Éthiopien va engendrer Nimrod, dont le nom signifie rebelle. L'histoire de l'homme, du gouvernement humain commence avec justement Nimrod. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire c'est l'archétype parfait de l'Antichrist. Tout de suite on nous parle de l'Antichrist, donc on comprend que le gouvernement humain, le gouvernement mondial, s'érige, se dresse contre la loi de Dieu. Waouh! D'où l'âge de la naissance de Babylone. L'âge, n'est-ce pas, du gouvernement humain. Et là, tout de suite, il y a un être, un homme qui vient, qui monte sur la scène. Ici, là, c'est Nimrod. Et on nous dit d'emblée que c'était un noir. C'est quand même terrible pour... on comprend pourquoi l'Afrique est dans cet état-là aussi, mes amis. Non? Alléluia. Un Éthiopien. C'est-à-dire celui qui a commencé à être le premier à régner, le premier empereur de l'histoire du monde. C'était un Éthiopien. Un Africain. Est-ce à cause de cela que l'Afrique est dans cet état? Certainement aussi. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La rébellion. Regardez les rebelles en Afrique, il y en a toujours. Dès qu'un président est élu, tac, il a peur de rebelles. Et lui-même aussi, un jour aussi, il va dégommer tout le monde pour ne pas être remplacé. Donc vous voyez, on a des Nimrod à chaque fois comme ça là en Afrique. Donc vous voyez, il y a une semence qui est là. Qui commence à comprendre certaines choses? Qui n'avait pas vu les choses comme ça? Ah, voilà. Guerre avec la rébellion. Toujours en Afrique. Citez-moi des pays en Afrique où il y a la démocratie, où les présidents sont élus normalement au suffrage universel. Il y en a très peu. Voyez? Ben ouais, c'est comme ça. Leur ancêtre était un rebelle. Et on nous dit qu'il était un vaillant. C'était un guerrier. Ouais, les guerriers Massa en Afrique, les guerriers tout ça là en Afrique centrale. Vous voyez les guerriers là, mes amis là, ben c'est ça, c'est une semence. Il faut qu'on étudie la parole de Dieu pour connaître l'histoire du monde. C'est important. On doit être enseigné. Et si la civilisation africaine, c'est la première civilisation. C'est ce que vous, à part celle de Caïn, bien sûr. C'est ce que beaucoup ne savent pas. L'histoire, quand on était à l'école, nous a appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On le dit, mais on cache des choses. C'est des choses qu'on doit vous enseigner, c'est important. Vous vous rendez compte? On voit pourquoi aussi beaucoup d'Africains, même ici, ils sont têtus. Les enfants vis-à-vis des parents, têtus. La rébellion, tout ça là, la délinquance, on comprend, Nimrod, mes amis là, il y a une racine qui est là.
Voyez? Donc il faut insister là-dessus un peu, j'insiste pour que vous compreniez les choses. Voilà. Et Nimrod, on dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc c'est le premier homme, un Éthiopien, un Africain, un Noir. C'est lui qui va être le premier homme à être puissant. Vous vous rendez compte? Mais pas avec la puissance de Dieu parce que c'est un rebelle. Donc on comprend l'occultisme aussi en Afrique. Aigri-gris. Qui commence à réaliser des choses, mes amis, là? Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. Oh, mes amis, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Et les historiens, beaucoup d'historiens disent que sa puissance, bien sûr, ne venait pas du tout parce que son nom signifie rebelle. D'accord? Et c'est lui, Nimrod, qui va être le premier homme à dire à tous les descendants de Noé, dans Genèse 11, comme nous avons le même langue, alors, unissons-nous, faisons-nous un nom. Voilà pourquoi les Africains, aussi beaucoup d'Africains, aiment les noms, aiment les titres, la titromanie, archibishop, hein, apôtre, docteur des nations. Quand ils sont députés, c'est toujours l'honorable député. Il y a toujours l'honorable avant. Acclamons le Seigneur pour toutes ces illuminations que Dieu nous donne. Alléluia. Bon, on retrouve ça un tout petit peu, la titromanie avec la papauté. Mais il y a une particularité, mes amis africaines, dans la titromanie. C'est un terme qu'on a inventé, c'est-à-dire l'amour. Hein, mes amis, effrénés pour les titres. Son Excellence, Monsieur Intel. Vous voyez, c'est toujours en Afrique. Vous voyez, hein, tout est dans la Bible. Oh Seigneur, sauve-nous. L'enseignement, là, ça me fait du bien moi-même. Quand le Seigneur m'enseigne comme ça, là. Alléluia. Et on dit quoi? C'est le premier être puissant. Et comme Nimrod, regarde le verset 9. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. La chasse. La chasse. La chasse. Et on nous dit aussi quoi? C'est pourquoi l'on dit. Donc les gens parlaient sur lui. Il était renommé. Et tout le monde parlait de lui. Donc, vous voyez, c'est pourquoi l'on dit, c'est pourquoi tout le monde dit. Vous vous rendez compte? Comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. C'est-à-dire, il était tellement renommé que tout le monde parlait de lui. C'était la star à l'époque. Ça n'a pas commencé avec Hollywood. Alléluia. Tout le monde parlait de Nimrod. Tout le monde voulait se comparer à lui. Tout le monde voulait être comme lui. Et les gens chantaient, comme Nimrod, faites comme Nimrod, chassez comme Nimrod. On dit devant Yahweh. Il craignait même pas Dieu. Littéralement, en face de Yahweh. Alléluia. Et le commencement de son règne fut Babel. Le commencement de son règne fut Babel. Mais vous vous rendez compte? Donc, le siège de son gouvernement, c'était Babylone. Babel, ici, c'est Babylone. C'est le diminutif de Babylone, c'est le même mot hébreu. Babylone. Vous vous rendez compte, mes amis? Ça veut dire que celui qui a mis Babylone en place, là, c'est un noir. Ouh, Seigneur! Et c'est terrible. Un jour, je pleurais, je priais le Seigneur. Pourquoi l'Afrique est dans cet état-là alors qu'il y a toutes ces richesses-là? Le Seigneur me dit, il faut étudier l'histoire de Babylone.
l'histoire de Nimrod. Voilà. Là. Son siège était Babylone. Babel. Pourquoi Babylone? Babylone veut dire quoi? Babel, confusion. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez la confusion en Afrique là? La confusion. Pourtant, c'est un continent, c'est le continent le plus riche. La confusion. Mais la confusion aussi dans le monde, attention. Hein. Même là où il peut y avoir un semblant d'ordre là, mais sur le plan spirituel, il y a une confusion. Vous voyez? Confusion. La confusion par le mélange. C'est ça, Babylone. Et regardez bien, regardez. Le gouvernement, l'âge du gouvernement humain, l'âge de la naissance de Babylone. Et on nous dit, et le commencement de son règne fut Babel. Donc, pour la première fois où la Bible, a mentionné le mot, le verbe régner, ou le mot règne, c'est un rapport avec, mes amis, Nimrod ou Nimrod. Et le mot hébreu traduit par règne ici signifie aussi royaume. Vous vous rendez compte? Voilà, royaume ou encore domination. Rappelez-vous bien que l'homme a été créé pour dominer. Et lui, Nimrod vient, il commence maintenant à dominer sur ses semblables. C'est un dominateur. Donc vous comprenez pourquoi en Afrique aussi il y a beaucoup de dictateurs. Dis à ton voisin, commence à comprendre. Je ne dis pas qu'en Europe, il n'y a pas de dictateur. Hein, la démocratie, c'est aussi une forme de dictature. Voilà. On dit que c'est le peuple qui décide. En fait, c'est une oligarchie. Voilà. Le commencement de sa domination, c'est Babylone. Babel. Donc, c'est ça, mes amis, l'âge. Cet âge-là, c'est l'âge de la domination de Babylone. Et on continue la lecture. Qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit qu'il a commencé à dominer à Babylone, Erech, Akkad, n'est-ce pas, et Calné, au pays de quoi? De Shinéar. Shinéar, c'est Babylone. Shinéar veut dire pays, au-delà de pays des deux fleuves. Donc c'est Babylone, Shinéar. Alors, je veux rapidement aller quelque part, mais on va revenir vite fait. On va rapidement aller dans, quelqu'un va nous lire rapidement s'il vous plaît, Zacharie chapitre 5. On va retrouver Shinéar là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas présentement? Ouvrez grandement les oreilles. Faites très attention, suivez très bien parce qu'il y a des choses qui commencent à arriver là. Ça va nous aider, nous nourrir là bien comme il faut là. Zacharie chapitre 5, on va commencer peut-être à partir du verset, attendez, à partir du verset 8, on va voir. Zacharie chapitre 5, verset 8. À partir du verset 5. Zacharie chapitre 5, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ange qui me parlait sortit et me dit, lève maintenant tes yeux et regarde ce qui sort là. Et je dis, qu'est-ce? Et il répondit, c'est l'épha qui sort dehors. L'épha, à l'époque, était une unité de mesure. Et on s'en servait pour arnaquer les gens. Bah oui. Donc, vous allez comprendre, ça vient d'où, l'EFA. L'EFA, unité de mesure. Hein? D'accord? Pour mesurer, notamment le blé, tout ça. On s'en servait pour arnaquer les gens. Quand on voulait arnaquer les gens, à l'époque, on utilisait un EFA. Voilà. Ah oui, on continue. Puis il dit, c'est ici leur aspect dans tout le pays. Mm-hmm. Et voici, on portait une masse de plomb et une femme était assise au milieu de l'épha. Mm-hmm. Une femme était assise où? Ça ne vous dit rien, une femme qui est assise sur la bête? On continue. Il dit, c'est là l'iniquité. Ah, c'est là leur iniquité. Que signifie iniquité? L'iniquité veut dire la condition d'une personne qui est sans loi. D'accord? Voilà. Sans loi. On continue. Puis il la repoussa dans l'épha et il jeta la masse de plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et je regardais, et voici deux femmes sortir. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme des ailes de la cigogne. Les ailes de la
cigogne. La cigogne était un animal impur sous Moïse. Il fallait pas manger cet animal-là. Donc l'impureté se trouve, hein, avec ces femmes, accompagne ces femmes. On continue. Et elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Mm-hmm. Je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, c'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, sur sa base. Sur sa base. Donc, cette femme assise sur l'épha est une femme, n'est-ce pas? On nous dit que c'est, cette femme représente, hein, l'épha sur l'iniquité. Et cette femme, sa base, son territoire, son QG, c'est où? Dans le pays de Shinéar, donc à Babylone. Et Apocalypse 17 nous dit quoi? La femme, il y a une femme qui est assise sur la bête, sur son front est écrit Babylone la grande, la mère des prostituées et des impudiques de la, et des abominations de la terre. Donc vous voyez, ça veut dire que Nimrod est associé à la femme. Le mystère de l'iniquité agit déjà dans 2 Timothée 2. Vous vous rendez compte? Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Et on nous dit que cette femme-là, c'est l'iniquité. Les femmes-là, c'est l'iniquité. Transportée jusqu'à Babylone, c'est là qu'elle doit être. Et donc, Nimrod travaille avec la femme assise sur la bête. Nimrod, c'est la Babylone politique. La femme, c'est la Babylone religieuse. Voilà l'âge de l'introduction de Babylone, l'âge du gouvernement humain. On a ces deux systèmes, politicaux et religieux. Vous comprenez? Politico-religieux. Donc, le système politico-religieux. Politique et religieux. Et c'est terrible, mes amis, mais tout est dans la Bible. C'est pour cela, quand un pape est élu, la plupart des présidents vont lui faire allégeance, vont le voir, tout ça là. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Tout est dans la Bible. On nous dit que la femme, on la transporte. Elle est assise sur les fa. C'est-à-dire, c'est une marchande. Voilà pourquoi vos pasteurs vous vendent les enseignements. Vous vendent des bibles, vous avez des bibliothèques, tout ça, des librairies chrétiennes où on peut aller acheter des choses de Dieu. Alors que le maître a dit, venez boire de l'eau gratuitement. Vous voyez, c'est cette femme-là, c'est cette femme, cette église apostate, qui est soutenue par l'esprit de Nimrod, l'esprit de l'antichrist. Et Nimrod est l'archétype, hein, l'image des Césars, l'image des Pharaons, l'image des rois de ce monde. Ça, c'est Nimrod. C'est le premier archétype parfait de, vraiment, dans le mal, hein, de l'antichrist. Mais ça, c'est terrible. Babylone. Et c'est pour cela, regardez ce que Jean, dans Apocalypse 17, Guylaine, on va le lire, s'il vous plaît. On a le temps ce soir. On va prendre le temps pour expliquer ces choses-là. Parce qu'il faut que les écailles tombent. Apocalypse 17, à partir du verset 1er. Apocalypse 17, verset 1er. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Ah, elle est toujours assise, cette femme. C'est une reine. On continue. « Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication. » Ah, il y a une association entre elle et Nimrod. Parce que les rois de la terre sont habités par l'esprit de Nimrod, l'esprit de l'antichrist. On continue. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Elle enivre les gens, elle envoûte les gens et les gens abandonnent la vérité. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. La bête écarlate, c'est Nimrod, c'est l'antichrist. Vous voyez? On continue. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mmh. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Mmh.
Et il y avait sur son front un nom écrit, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. La mère, c'est ici là, c'est le grec qui utilise meter, qui veut dire littéralement source. Donc c'est Babylone qui est la source de toutes les impuretés, de toutes les abominations, des prostitutions de la terre. Ici, le mot prostitution signifie aussi, mes amis, l'idolâtrie, les fausses religions. Donc c'est tout est né à Babylone, toutes les religions, mes amis, sont nées à Babylone. Tout est né à Babylone. Babylone, c'est l'origine de tout ce mal. Satan va mettre en place ce système-là, ces deux systèmes politico-religieux, pour, n'est-ce pas, mes amis, là, amener les hommes à s'opposer à Dieu, à être des chasseurs devant Dieu, des chasseurs d'âmes. Voilà pourquoi, mes amis, beaucoup des politiciens, beaucoup des dirigeants politiques s'associent à la franc-maçonnerie. Il y en a qui font des sacrifices humains parce que c'est des chasseurs d'âmes. C'est-à-dire, ils volent les âmes, ils prennent les âmes, le sang. Ah oui, c'est des chasseurs d'un esprit, là, ça va chasser la nuit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'occultisme, chasseur devant Dieu, hein, pas seulement chasseur du gibier, mais les hommes deviennent comme du gibier, n'est-ce pas, qu'il faut donner à Satan pour avoir le pouvoir. Satan a dit quoi à Jésus? Il lui a montré en un instant, il l'a monté sur les montagnes, il a transporté sur une haute montagne. La montagne, ici, c'est le royaume de ce monde. Et il lui a montré en un instant tout le royaume de la terre. Il dit, tout ça, c'est à moi. Si tu m'adores, c'est-à-dire si tu me prends pour ton Dieu, si tu m'offres tes adorations, tes hommages, c'est-à-dire les âmes, eh ben, tu auras le pouvoir pour gouverner. C'est ça. Voyez? Et c'est terrible, mes amis. Cet âge-là, c'est chaud. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de saisir les âges, de comprendre le fonctionnement de Dieu à travers les âges, pour bien saisir l'œuvre de la croix. Pourquoi Christ est venu? Pourquoi Dieu, dans Apocalypse 18, dit « Mon peuple sortait du milieu de Babylone ». Pourquoi? Voyez? C'est terrible. Et là, Némorod, on nous dit qu'il commence à régner à Babylone. Et on nous dit qu'il était chasseur, c'est-à-dire il sacrifiait des âmes. Pour être puissant, bah oui, la puissance là. Pour l'avoir, il faut des sacrifices. Bah c'est ça. Plus tu donnes, plus tu es puissant. Bah oui. Et à côté, il y a la femme qui est là. Et dans l'histoire, n'est-ce pas, biblique, dans l'histoire plutôt des nations, la femme qui était à côté de Némorod, selon les historiens, c'était, n'est-ce pas, Sémiramis. Selon les historiens, Sémiramis était à la fois la mère de Némorod et sa propre femme. Ben oui. C'est ça. Voyez? Sémiramis. Et voilà comment maintenant ce monsieur commence à régner, hein, dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire Babylone, là où il y a la base de la femme de Zacharie 5, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Dieu dit c'est là leur iniquité. Et Babylone, c'est la confusion. La confusion, c'est quoi? C'est l'anarchie. Là où il n'y a pas de loi. Hein? Il y a la loi de Dieu, bien sûr. Et c'est la confusion. Voilà. Et là, vous comprenez les choses là? On continue la lecture. On regarde le verset 11 de Genèse 10. De ce pays-là, sortit Assur. Assur, c'est l'Assyrie. Les Assyriens. Voyez? Les Assyriens. Assur. Et il bâtit quelle ville? Ninive et les rues de la ville. Ninive. Ça vous dit quelque chose, Ninive, mes amis là? Ninive, c'était la ville, hein, de la Syrie. Des Assyriens. Jonas a été envoyé là-bas, vous vous rappelez. Donc, il bâtit Ninive et les rues de la ville, Rehoboth-Ir. Alors, Rehoboth-Ir, Rehoboth veut dire large espace. Et Ir, ici, en fait, veut dire simplement ville. Alors, pourquoi je m'arrête sur le mot Rehoboth-Ir, c'est-à-dire littéralement Rehoboth la ville. Alors, Ir veut dire ville, et ville en hébreu signifie, vient d'un terme, hein, ville vient d'un terme hébreu qui signifie, premièrement, terreur, angoisse. Voilà pourquoi les villes des nations sont dans l'angoisse.
c'est la terreur. Avec les attentats, avec les guerres, avec la famine, avec tout ce qui se passe dans ce monde, eh ben, c'est la terreur, les gens sont dans la terreur. C'est ça, nos villes. La ville mondiale, hein, le monde devient un petit village, une ville, que les hommes ont voulu bâtir dans Genèse 11. Bâtissons-nous une ville. C'est ça. Et là, on continue. Mes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, Rehoboth-Ir et Calac. Et Rezen entre Ninive et Calac, qui est une grande ville. Mitzraïm engendra les Lidim et les Anamim et les Lebat. Il y en a tellement là de noms là, mes amis. Alors, pour votre information, Mitzraïm, c'est quel pays? L'Égypte. Et que signifie Égypte? Dépression. Ah ouais. Le mot Égypte, hein, signifie dépression. Terre de dépression. Et égyptien veut dire doublement dépressif, dans la dépression, doublement dépressif. Bah oui. Voilà les villes des nations. C'est ça, Babylone. La dépression. Donc, ça va commencer aujourd'hui. Voilà pourquoi Freud a inventé la psychanalyse. Voilà pourquoi ils ont inventé la psychologie, la psychiatrie, tout ça là. Parce que les gens sont dans la dépression. Parce qu'ils sont comprimés par le temps. Compressés par le temps. Ils sont comprimés, ils sont étouffés par le temps. Alors, il y a la dépression. Bah oui. Qui s'aperçoit que tout est la parole de Dieu? Bah oui, frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi Dieu parlait du Shabbat, le repos? Parce que Dieu sait que le mot ville veut dire terreur. Et le premier à avoir bâti une ville, c'est qui? Caïn, la terreur, loin de Dieu. C'est pour ça que vous allez dans les grandes villes, là, mes amis, c'est rempli de gens qui ont des problèmes psychiatriques, tout ça là, psychologiques, parce qu'ils s'entretuent, ils se suicident, tout ça, alors qu'ils sont directeurs de grandes compagnies, Ben oui, la terreur, là, les suicides, ils sont pas heureux. Voilà. On continue, mes amis. Donc, voyez les nations là, on voit Babylone, on voit l'Égypte, tout ça, on voit, mes amis, la Grèce, tout ça, et il y a plein de villes ici. Voilà. Et on va parler plus loin, on va parler de Cananéens. Canaan signifie quoi? Canaan signifie quoi? Marchand. Vous voyez? Marchand. Canaan. Voilà, tout ça là, ils ont mis en place un système. Des marchands, des gens qui amènent la terreur, tout ça. C'est ça, mes amis, Babylone. Dans Babylone, on voit les marchands. C'est pour ça, dans Proverbe 18, on nous parle des marchands de Babylone qui seront en pleurs parce que Babylone sera détruite en une heure. Ben ouais, c'est ça, Babylone. On y trouve les Égyptiens, c'est-à-dire la terreur. On y trouve les marchands, c'est-à-dire les Cananéens. On y trouve tout ça, là. Voyez? C'est ça, Babylone. C'est ça, notre monde. C'est ça, le gouvernement humain qu'ils ont mis en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait allégeance à Satan. Et voilà comment les démons de terreur sont venus. Les démons de dépression sont venus. Tout ça, là. Eh ben, c'est la confusion totale, là-dedans. Voyez? Ouh, Seigneur. Vous comprenez? Alléluia. Et là, on continue. Et regardez le verset 32 de Genèse 10. Telles sont les familles de fils de Noé, selon leur lignée, selon leur nation. Et de ceux-là ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Et on va prendre Genèse 9, 26. Regardez 9, 26. On y lit quoi là? Il dit aussi, béni soit Yahweh, Dieu de Sem. Donc, dans cette, mes amis, confusion de Babylone, là, un seul homme était une préfiguration de Christ. Un seul homme, c'est Sem. Vous vous rendez compte? Là, ils ont eu juste une petite visitation là. Sem. Et Sem vient de l'hébreu Shem. Shem égale, signifie nom, renommé. Hein, la renommée, tout ça, nom. Et les Hébreux ne voulaient pas citer le, comment dire, ils avaient peur de pécher en citant, recitant, en utilisant le nom de Yahweh. Parce que Dieu disait dans Exode 20, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors, ils se sont dit, non, on va pas citer ce nom-là, prononcer ce nom. Alors, nous allons remplacer ce nom-là par Shem.
qui dit, qui signifie non, et ils ont rajouté devant A. Ça donne Hachem. A, c'est l'article défini, le nom. C'est pour ça que les Hébreux, beaucoup d'Hébreux appellent Dieu Hachem. 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 Voilà. Vous avez compris là? On acclame le Seigneur, mes amis, là, pour l'information. Gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci pour ta parole. Donc, Sem, c'est le fils aîné de Noé. Et le fils aîné, à l'époque, appartenait d'emblée à qui? À Dieu. Et Dieu a pris Noé. Il dit, ça c'est pour moi. Et il a pris Sem. Ça c'est pour, Sem m'appartient. Et je veux l'utiliser pendant l'âge, parce que Sem est passé de l'âge, n'est-ce pas, du péché, du règne du péché, de l'introduction du péché, du remplacement à l'âge du gouvernement humain ou de Babylone. Donc Dieu se servit de Sem certainement, selon les historiens, je le crois aussi, pour quand même, pendant cette confusion-là, essayer de peut-être parler de Dieu. Parce que ce nom signifie, non. Sem, c'est Shem, en hébreu, qui veut dire non. Donc peut-être que cet homme a dû dire aux gens pendant cette époque, peut-être, il y a un seul nom qu'on doit adorer. Pas vos divinités là, tout ça. Mais certainement, il n'a pas été écouté. Voyez? Et on suppose aussi que c'est lui, c'est pas sûr, mais on suppose que c'est lui qui a dû parler de Dieu, du Dieu unique, véritable, à Abraham. Parce qu'Abraham l'a un peu côtoyé vite fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on continue, mes amis? Waouh. Donc c'est pour cela que Noé, avant de mourir, il avait dit quoi? Béni soit le Dieu de Sem. Voilà. Mais il n'a pas dit le Dieu de Japhet ou de Cam. Non, parce que les deux là, vraiment, c'était pas, Dieu n'était pas leur affaire. Mais Sem a été mis à part par Dieu. Dans un temps de trouble, Dieu se sert toujours de quelqu'un pour apporter la lumière, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Voyez? Ça vous dit quelque chose là? Ça vous fait du bien là, tout ça là? Alléluia. Waouh, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Ben oui. Donc, vous voyez cette confusion-là? Tout ça-là? Sem a connu Némorod. Parce que Sem était déjà âgé. C'était un vieillard. Peut-être la barbe blanche, un grand vieillard. Mais Dieu l'a conservé, gardé en vie pour qu'il soit le témoin de sa grandeur. Pour qu'il rentre. Parce que qui a témoigné? Qui a raconté l'histoire du déluge à ses enfants pour que nous soyons au courant de cela? Si c'est pas, mes amis, cet ancêtre-là que nous avons eu, Sem. Ben oui. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Tout ça. Comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Voilà. De bouche à l'oreille. Tout ça, de génération en génération. Tout ça. Il faut prier le véritable Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut adorer le véritable Dieu. Yahweh, c'est lui le véritable Dieu. Tout ça. Et Abraham, c'est tellement, il était encore petit, il entendait tout ça là, alors que son père Térak, lui, c'était un idolâtre, selon Josué 24. Voyez? Donc Dieu a préparé Abraham, il a reçu la semence, la parole. Voyez? Et il y avait cette confusion-là qui était là! Cette confusion! Et l'image de Christ ici, comme je vous ai dit pendant l'âge de Babylone, c'est Sem. On est d'accord? Alléluia! Et c'est pour cela, parmi les ancêtres de Yeshua, on trouve Sem. D'où l'antisémitisme. Voilà. Donc, antisémitisme. Donc, c'est des gens qui sont contre Sem. Ben oui. Antisémite. Hein, c'est quelqu'un qui est antisem. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, non? Voilà. Qui se rend compte que Dieu est grand, mes amis, là? Non, c'est ça. Ben oui. Seigneur, merci pour ta parole. Anti-Sem. Les Sémites sont les descendants de Sem. Voilà. Comme les Lévites sont les descendants de Lévi. Voilà. C'est terrible, hein, Seigneur, ta parole. Donc, vous voyez, il faut des enseignements parce que, si on veut, on est toujours en train de recevoir, on s'excite là, on va pas être enseigné. Il faut prendre des notes. On rentre à la maison, on fait des recherches. Voilà. Seigneur, merci.
Pendant des années, le Seigneur, je ne voulais pas trop, je pensais qu'il faut tout simplement aller à gauche, à droite. Le Seigneur dit, il faut enseigner là. Il faut enseigner. Prends les choses en main toi-même là, enseigne. Voilà. Fini là maintenant de dire aux gens là, venez, vous allez enseigner ici. Là. Non, non. Dieu me dit, c'est pas pour l'orgueil. Dieu dit, il faut enseigner. C'est à toi que je donne le rouleau là. C'est à toi de faire le travail là. Parce que les gens, tu leur confies la charge, ils veulent créer leur entreprise. Ils veulent faire leurs affaires. Hein? Ça fait du plagiat. Et ils pensent que l'onction va les suivre. C'est pas ça. Il faut être descendu de sème spirituellement pour avoir la semence de sème. Hein? Si tu es descendu de cam, là, tu ne peux pas recevoir la grâce. Hein? Voilà. Vous voulez qu'on continue, mes amis? Amen. C'est juste une parenthèse. On arrête là ou on continue? Parce que moi-même, je suis enseigné comme vous. Hein. Je vous dis, c'est pas moi. C'est pour cela que toute la gloire revient à Jésus. Je ne prépare rien à l'avant. Et Dieu lui-même vient, il dit, voilà, Satan. Il dit, oulala, 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 Seigneur, mais c'est chaud là. Et Jésus avait raison. Il dit, je vous enverrai un autre défenseur. Quand il viendra, il vous enseignera. Nous voulons faire un coucou à notre Papa Céleste pour le Saint-Esprit. Mouah. Père, reçois tous ces bisous là pour toi seul, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et il le mérite. Sur son trône là, il le mérite vraiment là, mes amis. Pour que les anges voient que les humains là, il y a des humains qui aiment le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors là, mes amis, donc ici là, l'image que l'on a principalement c'est Sem. Dieu a utilisé Sem, porteur d'un message. Voyez? Porteur d'un message, d'un fardeau. Il fallait qu'il transmette un héritage. Voilà. Donc, on a ici, bien sûr, l'ancêtre de Yeshua qui était là, qui a fait correctement son travail. Et parmi, il y avait aussi parmi les il y avait Hébert aussi, hein, d'où l'ancêtre des Hébreux. Hein, Hébert, dans Genèse 10, 25. Par exemple, dans Genèse 10, 20, à partir du verset 21, on va voir les enfants de Sem. Et il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Hébert. Vous voyez, Hébert, c'est l'ancêtre des Hébreux. Voilà, ça vient ici. Ça, c'est Hébert et l'ancêtre des Hébreux. Et frère aîné de Japhet. Et les enfants de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Aram, araméen. Vous vous rappelez? Les araméens. Voilà. C'est-à-dire les Syriens. Est-ce que vous savez que les Syriens sont aussi les descendants de Sem? Donc, celui qui n'aime pas les Syriens, il est antisémite aussi. Faut le souligner. Faut pas l'oublier. Ben oui. Pas que les Juifs. Qui ne savait pas ça? Mais vous avez l'information. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons aussi, en tant que chrétiens, d'ailleurs, nous allons le faire, cotiser et soutenir aussi, financièrement, les orphelins de Syrie, les veuves de Syrie, hein, avec les peu de choses que Dieu nous donne. Donc, je crois qu'on va s'organiser comme ça. Et avec des finances, un peu de finances, on envoie quelque part pour aider les veuves. Parce que ces femmes sont décapitées par des voyous, par des fous, par des malades. Et on doit aider tout ce monde-là. Parce que c'est... Voilà, gloire à Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, on continue, mes amis. Et là, on continue, on nous dit... Et il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un était Pélec, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Jocade. La terre fut partagée de son temps. On est d'accord, non? Partagée où? Et regardez bien pour vous montrer que Sem n'était pas encore mort. On nous dit que la terre était partagée au temps de qui? Hein? Au temps de Hébert. D'accord? Hébert était le fils de qui? De Sem. On est d'accord, hein? Donc, quand il y a eu la confusion de Genèse 11, là, Sem était encore là. Un vieillard, peut-être. Un grand vieillard. Un vieillard. Donc, c'est lui, certainement, qui a transmis certaines choses à Abraham. Voilà. Maintenant, regardez bien le chapitre 11. Alors, toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant sorti, hein, étant parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar, où ils habitèrent. Ah ah! Ils sont venus tous s'installer où? Donc, vous voyez, c'est là où il y avait Nimrod. Donc, c'est Nimrod qui était leur empereur, leur roi, leur patron, leur chef. Voilà. Sem était un vieillard.
un vieillard. Il y a toujours une flamme qui reste allumée pendant l'apostasie. Toujours. Dieu veille toujours à ce qu'une flamme reste là, une mèche, pour enflammer les autres. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont à Babylone, tous ensemble, ils sont à Babylone. Et ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville. Voilà la ville en question. La terreur, l'angoisse. Et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Ah, une tour, ziggoura en hébreu. Édifice dédié à l'adoration de divinités. Parce que Babylone signifie aussi porte des dieux. Porte des dieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils veulent atteindre la divinité. Quelle divinité? Satan. Ben oui, c'est ça Babylone. Bâtissons-nous une tour dans le sommet. Regardez bien. Regardez la tour. Ça fait ça. On va bien filmer ça. Et on nous dit que le sommet seulement devait toucher, devait être au ciel. Donc ici, là, la tour, là, c'est un pyramidion. Une petite pyramide. Et là, c'est le corps, c'est le reste de la pyramide. Ici, là, c'est le peuple, les ignorants. Et ici, ce sont les Illuminati, les sommités, l'oligarchie, les maîtres de ce monde. La gnose, la connaissance secrète qui ne peut être transmise qu'aux initiés. Donc il faut avoir la connaissance ici, là il faut une initiation, l'initiation luciférienne, la franc-maçonnerie avec des degrés, la rose-croix, tout ça, des degrés, tout ça, vous comprenez? Voilà, donc vous avez des degrés ici, plusieurs degrés, et il y en a en tout 33 ici. Et quand on passe au-dessus de 33, c'est l'illumination, d'où l'Illuminati. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit seulement la tour, seulement le sommet devait être aux cieux, pas le corps. Et là, vous avez ici, dans Babylone, la naissance du cléricalisme, le clergé. Et ici, c'est le laïc, le corps, le peuple. Ici, c'est le clergé. Voilà, le cléricalisme. Et là, vous avez ici le corps pastoral. C'est la tête ici, le pyramidion, le corps pastoral. Alors que Paul dit, il y a un seul corps. Christ nous a tous introduits dans le Saint de Saints, dans le lieu saint, au ciel. Mais dans Babylone, c'est seulement les initiés. C'est pour ça que vous entendez parler de corps pastoral, réunion pour les pasteurs, pas pour les autres, tout ça. Donc ça a commencé ici. Voyez, c'est grave. Vous avez ici le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. Pour aller vers Dieu, il faut passer par les pasteurs, soi-disant. C'est pour cela qu'il faut qu'ils s'habillent différemment de vous. Ils sont tous en costard et cravate. Ou encore, pour les pasteurs des églises, soi-disant de réveil ou indépendantes, là. Évangélique, et pour les autres, c'est soutane, tout ce que vous voulez. Tu sais, il faut qu'il soit différent. Eh ben, c'est tout ça, là, c'est Babylone. Tu sais, la différence ici, là, il y a un vide. Voilà. Pour passer de cet endroit à ça, il faut l'initiation. C'est pour cela que, pour les pasteurs, c'est l'ordination. Pour passer du corps, du peuple à ce corps-là. L'ordination, c'est une initiation démoniaque. On met de l'huile, ils sont en soutane, et là, ils reçoivent, selon eux, une puissance indélébile. Une puissance, mes amis, qui va leur permettre de travailler pour le Seigneur. C'est de la confusion totale. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a tous ces combats aussi, pour votre information. Parce qu'on ne veut pas être là. Voilà. Il y a quelques jours, 5 jours, j'ai fait un songe. Quelqu'un qui pouvait enseigner là, ici et là, tout ça. Je ne réitérerai pas le nom, mais je me prépare. Il avait plein de feuilles comme ça. Il écrivait. Je dormais, j'ai vu ce songe-là. Il vient me voir, il me dit, Chora, voilà, tu vas enseigner avec ces feuilles-là. Je dis, non, moi, je n'enseigne pas avec tes feuilles.
Il me dit, tu vas enseigner seulement, dire seulement tout ce que Dieu te dira de dire. Je lui ai dit, je dirai tout ce que Dieu me dira de dire. Et jamais je n'utiliserai les feuilles pour pouvoir enseigner. Et je me suis réveillé. Je dis, ah bon, je ne changerai pas de message. C'est pour cela que je le dis, je l'affirme encore. Je suis seul avec mon Dieu. Il m'a dit de crier et c'est ce que je vais faire de plus en plus. Voilà. Fini. Oh, un tel va voir son émission. Fini. Vous voulez avoir vos émissions? Faites vos plagiats à gauche, à droite, tout ça. Là, fini. J'ai eu très peur quand je me suis réveillé. Je dis, Seigneur, c'est ce qu'il voulait faire. Voyez? C'est chaud. L'heure est grave. C'est pour cela, ceux qui tiennent ferme, qui veulent rester ici avec le peuple, avec le Seigneur, là, eh ben, ils sont combattus par ce corps-là. Et lui était combattu par ce corps. Les initiés par Baal. Les initiés de Baal. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ils sont toujours plus nombreux que nous. C'est les associations, parce que Babylone, c'est ça, c'est le mélange. La confusion par le mélange. Ils ne sont pas unis, mais ils sont quand même, ils se mélangent quand même comme ça, hein, l'argile et le fer de Daniel 2. Voilà. L'argile, c'est la religion, le fer, c'est le côté politique. Voilà. Voyez? Et là, c'est la statue de Nabuchodonosor. C'est là, ici, là. C'est les alliances entre Pilate et Hérode. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Psaume 2. Voyez? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils avec les princes contre Yahweh et son oint, son Messie? Ben c'est ça, tout ça là. Voyez? Frère, tout est dans la parole de Dieu. Amen. Moi je dis toujours, ne cherchez pas à savoir où je prie, ne savez pas, sauvez-vous. Voilà. C'est grave. Vous comprenez les choses? C'est plus clair maintenant pour vous là? Amen. Voilà, quand on étudie les âges, vous voyez, on comprend, on dit waouh. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Voilà. Ici, il n'y avait pas de frontière. Donc, il y a la ville. Voyez? Et il y a la tour. Pas de frontière. C'est-à-dire un seul langage. Langage monétaire. Sexuel. Un seul message. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit, faisons-nous un nom. D'où l'accent sur les noms aujourd'hui. Les dénominations, ça a pris naissance là. Les ismes, tous les ismes. Pentecôtisme, catholicisme, machin, les ismes, c'est là. Faisons-nous un nom. La titromanie, c'est né là. Ils voulaient opposer leur nom au nom de Dieu. Alors que Sem, c'était Shem. Un seul nom. Eux, ils ont dit, non, faisons-nous un nom. Alors là, qu'est-ce que Dieu dit? Descendons. Descendons. Eh bien là, nous avons aussi une préfiguration. C'est le retour du Mashiach. Il reviendra, il va descendre lorsque Babylone aura atteint son apogée. Et c'est le temps actuellement. La confusion est telle que Dieu est en train de dire présentement maintenant, alors descendons. C'est pour cela qu'il va descendre. Nous l'attendons parce qu'il va descendre. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Regardez bien. Dieu est descendu premièrement lors de la création de l'homme. Et Dieu descend aussi ici lors de la confusion. Il y a eu plusieurs descentes de Dieu. Il descend lors de la création d'Adam. Il descend lors de la confusion de Babylone pour confondre tout le monde. Voyez? Disperser tout le monde. Il est descendu, mes amis, pour voir ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorre. Bah oui, à chaque fois, quand il descend, c'est le jugement. Voyez? Bah oui. Il est descendu sur le mont Sinaï. Alléluia. Il est descendu dans le temple. Et il est descendu comme Yeshua. Oh my God. Et maintenant, mes amis, Babylone est reconstruite. La statue de Nabuchodonosor est reconstruite.
la bête blessée mortellement est restaurée, guérie, selon Apocalypse 13. Et nous sommes fatigués, à confusion, on ne sait plus où sont les vrais pasteurs, où sont les vrais prophètes. Tout le monde a le même langage, c'est prospérité financière. Venez à Jésus, vous serez riches, donnez la dîme, vous serez bénis. À construction des temples, construction des choses, des églises, alors que l'église a déjà été bâtie déjà il y a 2000 ans. Le Seigneur a dit, je bâtirai. Il n'a pas dit, vous passez à aller construire des églises. Il n'a pas dit ça. C'est écrit. Et on voit des gens qui dénonçaient Babylone hier, ils font alliance avec tous ces pasteurs qui sont sur Internet, qui s'habillent comme les Benihin, qui sont à Kinshasa, qui dépouillent les pauvres, qui dépouillent les gens. Tout le monde acclame, tout le monde est là, photo, tout un sourire, Photoshop. On voit toutes ces choses dans la maison. C'est la confusion totale. Les vrais prophètes, on les traite de faux. On les traite de gourous, de magiciens. On les lapide, on les chasse, on les pourchasse. Tout ça là. Et les faux sont acclamés, adulés, tout ça là, parce qu'ils sont ont des connexions. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous par cette génération à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous, vous serez poursuivis. Vous voyez? C'est la même chose. Aujourd'hui. Même chose. Ils veulent te museler. Ils ne veulent plus que les prophètes parlent. Ils disent non, c'est le lynchage médiatique. Il faut pas qu'ils parlent, c'est là, il y a pas l'amour. Tout est fait pour faire taire les gens dans une époque de confusion, dans un âge de Babylone de confusion, mes amis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La danse prophétique, soi-disant, la danse est rentrée dans les églises. Danse, quelle danse? Tout ça, la mystique diabolique. Et ceux qui vont danser selon Dieu une fois, deux fois, on dit non, c'est du tai chi. La confusion totale. Et le rap est rentré, le rock est rentré. C'est le mélange, comme Papa Poisson dit, pour toucher la jeunesse, il faut telle danse, il faut telle chose. Alors que c'est l'esprit qui convainc et non les danses. Tout est mélangé, tout est. Le Seigneur a dit, il va répondre son esprit sur la jeunesse. Il n'a pas dit qu'il va répondre le rap pour être touché, pour qu'il soit touché. Tout est mélangé, la tête des gens, ils sont dans l'orgueil, les gens de cette génération. Ils pensent être des docteurs, ils connaissent la parole, alors qu'ils sont dans le péché. C'est le mélange. C'est les gens, ils couchent ensemble, ils vivent ensemble, ils sont pas mariés. Tout est le raisonnement dans cette génération-là. C'est Babylone. C'est la confusion. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Alors là, mes amis, Sem est venu, Sem a parlé. Qui a écouté? Seulement peut-être Abraham. Et là, Dieu disperse, il descend, il dit descendant. Et là, confondons leur langage. Et Dieu est descendu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, il dit, voici, ce n'est qu'un seul et même peuple. Ils ont un même langage. Et ils commencent à travailler. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent point le langage des uns des autres. Ainsi, Yahweh les dispersa de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Donc, plus loin quand on a lu tout à l'heure, qu'ils ont été dispersés, en fait, ils ont été dispersés par Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que Sem était encore là. Un vieillard. Certainement, après, il est mort. Dispersé. Et regardez ce qui se passe. Le verset 10 de Genèse 11. Là, on revient encore sur Sem. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra, hein, donc on fait, mes amis, un résumé de Sem. Et on va jusqu'à parler de Abram. Plus loin. Vous voyez, non? Voilà, et regardez le verset, mes amis, le verset 29. Et Abram et Nakhor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille de Aram, père de Milka et de Jiska. Et Sarah était stérile et n'avait point d'enfant. Térak, le père d'Abraham, prit son fils Abram, et Lot, fils de son fils, qui était fils de Haran. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc là, après cette confusion, le père d'Abraham, Térak, dont le nom signifie retard, prend son fils, prend son petit-fils, Lot. Allez, sortons d'ici. Ils sortent. Ils vont arriver à Charan. Et Dieu avait déjà parlé à Abraham, il fallait qu'il sorte de là. Et dans Genèse 12, on nous dit quoi, mes amis? Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi. On a vu, non? Va pour toi, pas pour les autres. Va pour toi, sauve-toi. Le salut est d'abord personnel. Amen. Va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la famille de ton père, vers la terre que je te montrerai. Ah, quitte, sauve-toi, cours. Quitte la confusion, sors de Babylone. Et qu'est-ce qui se passe ici, mes amis? Posez-moi la question, qu'est-ce qui se passe?
Ouh, Saint-Esprit. Nous sortons de l'âge de Babylone, de Babylone toujours là, bien sûr, mais nous sortons de l'âge du commencement de Babylone, hein, pour entrer dans l'âge, à votre quel âge? C'est quel, le troisième âge ou le quatrième? Quatrième, hein? C'est bien, vous suivez là. Premier âge, l'éternité, l'âge de l'éternité, l'innocence. Deuxième âge, du remplacement. Adam remplacé par le diable, il devient le dieu de ce siècle. Adam n'était pas dieu mais gouverneur, donc Satan devient le dirigeant, le règne, le roi de ce siècle. Et ensuite, l'âge de l'instauration de Babylone. Et là, avec Abraham, l'âge de quel âge? De là, qui dit promesse? Voilà. Mais en fait, dans le bureau, Dieu me disait autre chose encore. Il me disait, c'est l'âge d'abord de la restauration de la foi. Acclamez le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Wouh! Non, c'est magnifique. Jesus. Waouh, Dieu parle, mes amis. Ah, j'ai bondi, je dis, waouh, ça c'est dans mon cœur, là, du Seigneur, mais c'est terrible. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, l'âge de la restauration de la foi? Il me dit, oui, parce que la foi, parce que les gens adoraient les divinités païennes. Les gens adoraient d'autres dieux, comme dans Josué 24, de l'autre côté. Allons voir Josué 24, là. Allons voir Josué 24, verset 3, là. Guylaine, s'il te plaît. Oh, il y a quelque chose, là, qui, c'est magnifique, ça. C'est beau, la parole de Dieu. Josué 24. Josué, chapitre 24, verset 3. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Verset 1 à 2, à 3. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers qui se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux. Où ils servaient d'autres dieux. Voilà. Et Dieu dit, j'ai pris votre père Abraham, et bien je le fais sortir de là. Donc Dieu va prendre Abraham pour que cet homme soit utilisé afin de restaurer, soit utilisé pour la restauration de la foi. Donc c'est d'abord l'âge de la restauration de la foi et de la promesse, bien sûr. Waouh! N'est-ce pas étonnant que cet homme, si cet homme a été, hein, c'est pas étonnant hein, s'il a été appelé par la suite le père de la foi. Alors regardez bien, regardez, je vous dis quelque chose, j'ai déjà dit cette chose-là. Regardez, le premier homme s'appelait comment? Ah, voilà. D'accord? Dieu sait toute chose à l'avance, on est d'accord? Dieu ne fait rien au hasard. S'il donne un nom à quelqu'un, c'est que ce nom-là a une signification, on est d'accord? C'est l'architecte par excellence. Donc Dieu, avant de créer Adam, le monde, tout ça, il savait qu'il allait créer un homme qui allait chuter. Et que cet homme qui avait allait être utilisé par l'ennemi pour que la foi soit chaos, mise par terre. Et qu'il fallait quelqu'un d'autre pour restaurer la foi. C'est pour cela que quand il a donné ce nom-là, Adam, en commençant par A, c'est Abraham. Donc, dans le nom d'Adam, il y avait Abraham qui était caché. Vous voyez? Alléluia. Dieu savait toutes choses parce qu'Abraham était le descendant d'Adam. Voilà pourquoi la foi a été restaurée par Abraham. Le père d'une multitude de nations. Et on l'a vu aussi, il y a le Da, c'est David, le royaume. Et le M, c'est le Mashiach. Alléluia. C'est pour ça que le Mashiach est le deuxième Adam. Donc, Dieu a caché son plan dans ce nom-là. Magnifique Saint-Esprit. On acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis là. Alléluia. Dieu est grand. L'âge de la restauration de la foi. Allons voir cette foi là. Vous voulez qu'on aille vérifier?
Vous êtes sûrs, mes amis? Oh, gloire à Dieu, on est excités, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11. Alléluia. Donc, après Noé, il y avait plus de foi. La foi avait dit, avec la mort de Noé, là, de Sem, fini la foi, là, les gens, quand on parle de Dieu, mais quel Dieu? Ayez foi en Dieu, mais quel Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on a. Mais le problème, c'est que les gens entendaient Nimrod. Ben oui. Donc, ils étaient amenés à adorer d'autres divinités. Et là, Abraham a entendu la voix. Donc, la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a appelé. Et il a eu foi. N'est-ce pas? Et regardez bien, Hébreux 11. À partir du verset... Guylaine, merci. Oui. À partir du verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Mm-hmm. On continue. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Donc vous voyez ici, on nous parle de la foi et de la promesse. Donc c'est l'âge de la restauration de la foi et aussi l'âge de la promesse. Voilà. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus Christ. Voyez? Et là, on nous dit qu'il est sorti sans savoir où il allait. Voilà la foi. Je ne sais pas ce que le lendemain me réserve, mais je crois que Dieu va faire. Ou je crois plutôt que Dieu a déjà fait. Voilà. Il ne faut pas chercher à savoir, non, mais on va aller où? Comment ça va se passer? Arrêtez-moi avec ces questions-là. Ce n'est pas ça la foi. Et dans la foi, il y a l'obéissance. Par la foi, il a obéi. C'est tout. Beaucoup de gens sont enseignés, beaucoup ont compris. Oh non, mais moi, je suis votre pasteur, je m'en vais, je quitte. Ben écoute, gloire à Dieu, allez, ciao, bon courage. Les gens ont foi, ils savent où ils vont amener avec le Seigneur. C'est fini ça. Ils attendent la cité. Donc notez les questions. Je finis bientôt, comme ça on va bien répondre aux questions. Donc, quand on a foi en Dieu, on n'est plus perturbé par ce que les gens disent, font, tout ça. C'est fini. Voyez? C'est ça la foi. Il est venu restaurer la foi. Mais vous allez voir comment cette foi s'est manifestée. Vous allez voir, c'est terrible. Glenn, Romains chapitre 4. Là, vous allez entendre ce qui est écrit ici. Là, c'est fort ce que Paul a reçu. À partir du verset 1er. D'accord. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Car que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi lui est imputée à justice. Mm-hmm. De même, aussi, David exprime la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres en disant « Bénis sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées mm-hmm. et dont les péchés sont couverts. Mm-hmm. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mm-hmm. » Cette déclaration de bénédiction est-elle seulement pour les circoncis ou également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à justice. Mmh. Comment donc lui a-t-elle été imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, mais il était incirconcis. Mmh. Puis il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, mmh. afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Waouh ! On continue. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Waouh !
Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité. C'est-à-dire Christ. Hein? Mais par la justice de la foi. Or, si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi qu'Abraham, de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Wow. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu en qui il a cru, lequel fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si Amen. Elles étaient. Et Abraham ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, wow. selon ce qui lui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, non. il n'eut pas égard à son propre corps déjà atteint par la mort. Waouh. Son corps était déjà atteint par la mort. Quand on parle de son corps, là, ça veut dire que Alléluia. Vous comprenez? Quand on parle du corps là, mais c'est d'abord l'organe de reproduction. C'est-à-dire à Abraham, hein, il était tellement impuissant sexuellement, même le Viagra ne pouvait pas le soigner. Donc, c'est ça le mot hébreu. C'est-à-dire le corps était atteint déjà par la mort. C'est-à-dire l'organe de reproduction, là, Adam était complètement fatigué, fini, il n'y a plus rien, plus aucun espoir, rien, fini. Parce que ses ancêtres, à 300 ans, ils continuent à avoir des enfants. Mais lui, là, à 100 ans, là, c'est fini, déjà fini, il n'y a plus rien à faire, fini. Atteint par la mort, premièrement. Mais il croit quand même contre toute espérance. Qu'il aura comme un enfant qui sortira de ses entrailles. Que son corps allait être redressé. Ressuscité. On continue. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà atteint par la mort, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'état de mort de la matrice de Sarah. Ah! Même la matrice de Sarah ne pouvait même plus garder un bébé. Tout était aussi mort. Fini! Mais Abraham dit non. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de ce Dieu-là, ma foi est boostée. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je crois, même si les médecins disent que je vais mourir dans 3 mois, moi je crois. Hein? Oh, Jesus Christ! Ah! Ouh, alléluia! Je crois que celui qui m'a créé, celui qui a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile, qu'il n'y aura pas de stérilité dans ton pays, celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, celui qui a dit qu'il faut remplir la terre, je crois qu'il... Oh, alléluia! Jesus Christ! Jesus! Ouh. Que tu sois impuissant, tu peux dire, on peut dire, bon, ça c'est toi, tu as la foi. Mais ta femme aussi se fait naître, la mort était aussi là. Abraham dit, non, non. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Si je suis guéri, délivré, elle sera délivrée en même temps, mes amis. Là. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Jesus. Oh, Jesus. Quelle démonstration de la puissance de Dieu. La foi, c'est quand il y a la mort, là. C'est quand il y a l'impossibilité. C'est quand les hommes, tout le monde dit, mais c'est fini. Quand les spécialistes disent, c'est fini. Nous sommes bloqués. C'est là le spécialiste, le spécialiste, le Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'il se lève. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Quand il s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Ah, Jesus Christ. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Acclame-le. Oh, Jesus.
Jesus Christ. Hallelujah, alléluia, alléluia. Nous voulons te lever ce soir encore, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. La foi, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré, disait le Seigneur. Ta foi ce soir te sauve, ta foi ce soir te guérit. Oh Jesus, tes enfants se convertiront, tes enfants seront délivrés, ta fille se convertira par ta foi. Jésus va la rencontrer. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Alléluia Seigneur. Oh alléluia, alléluia, alléluia. N'écoute plus les hommes qui te parlent. C'est l'ennemi qui veut te décourager. Dieu t'a parlé. Il t'a fait des promesses. Il t'a parlé. Il t'a fortifié. Il a dit tout est accompli. Et ce soir, il appelle ses enfants à la conversion. Il appelle ta famille à la conversion. Ce soir, il ordonne à la maladie de sortir de ton corps. Il ordonne à la maladie de quitter ton âme. Il est là. Il est là. Le Seigneur a vu ta consécration, femme. Il a vu ton temps de jeûne et prière. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu tes combats. Il a entendu. Et ce soir, il est descendu. Il a mis son doigt sur toi. La guérison est là. Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas être le témoignage de la démonstration de la puissance de la résurrection que Jésus n'a pas changé. Ton médecin changeant de langage. Tes ennemis changeant de langage. Tes enfants sont déjà tous consacrés à Dieu. Oh, alléluia. Comme Anne, Dieu va les toucher. Dieu va les guérir. Il va les soigner. Au nom de Yeshua. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ton père Abraham était mort. Sa femme matrice morte. Dieu l'a visité. Et Dieu dit, tu es son fils, tu es sa fille. Eh bien, tu es héritier de Dieu. Héritier. Tu as hérité de la foi d'Abraham. Alors ta foi ce soir va être activée. Va être boostée ce soir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ouf. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un, je veux me manifester dans ta vie pour ne pas que mon nom soit blasphémé. Alléluia. Jesus. Alléluia. À cause de son nom, il tient à son nom. Et il va confondre tes ennemis. Il va les confondre un par un. Oh, alléluia. Ouf. Ouf. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Même si tu n'as rien, selon les hommes, tu as la foi ce soir. C'est une richesse. C'est une richesse. 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 Waouh. Waouh. Le Seigneur n'a pas dit par ton jeûne tu es guéri. Non. Par la foi. Dis seulement un mot. Disait cet officier une parole et mon serviteur sera guéri. La foi. La foi. La foi. La foi. Sans les œuvres. La foi. Voyez comment Dieu est bon, mes amis. Ça, c'est magnifique.
Il a cru. Et quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham n'avait pas d'exemple d'une personne morte et ressuscitée. Avant Abraham, il n'y avait pas eu de résurrection. Mais il a cru que Dieu est assez puissant, est trop puissant, est tout puissant, est capable de ressusciter son fils si jamais il mourait physiquement. Il a cru. C'est-à-dire, par la foi, on n'a pas besoin d'avoir des exemples. On entend seulement Dieu nous parler dans notre chambre, dans l'intimité. Et Dieu dit, voilà, c'est par toi que je vais passer là. Et tu crois. Ça ne dépend pas d'âge, de couleur, de sexe, tout ça là, d'études faites ou pas. Tout ça là, c'est la foi, c'est la malade. La disposition de ton cœur. Voyez, et c'est cet âge-là que Dieu va mettre en place. Il se sert de cet homme, le père de la foi. Il appelle à deux reprises son ami, l'ami de Dieu. Vous voyez? Donc, l'âge de la foi était restaurée. La foi était restaurée. Et c'est aussi l'âge de la révélation du cœur du Père. Le Père. Là, le Père a été révélé. Un tout petit peu. Le Père qui a attendu pendant 100 ans pour avoir cet enfant qui sort de ses entrailles. Voilà pourquoi le Père a attendu toutes ces années pour que toi, tu sois engendré aujourd'hui. Jesus Christ. Wow. Mes amis, le quatrième âge. Vous vous rendez compte? Et on nous dit dans Galates 4, vous notez seulement, la promesse n'a pas été faite aux descendants, mais à la postérité. Et Paul dit dans Galates 4, la postérité c'est Christ. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'âge de la promesse. Hein, la postérité à qui la promesse avait été faite. Selon laquelle les nations allaient être libérées. Beaucoup de nations. C'est Yeshua. Vous vous rendez compte, mes amis? Et quelle est l'image, la préfiguration de Christ que nous avons ici pendant l'âge de la promesse, pendant l'âge, n'est-ce pas, de la restauration de la foi? Eh bien, nous avons, bien évidemment, mes amis, le cœur du Père. Abraham, le Père. C'est pour ça que Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On l'appellera Père éternel. Et on voit aussi Isaac, bien sûr, le fils. Le sacrifice d'Isaac, c'est une préfiguration de la mort et de la résurrection, dans Genèse 22. Et l'ange de Yahweh aussi. Ah, ça c'est magnifique. On voit l'ange de Yahweh, vous notez seulement, l'ange de Yahweh qui entre en action pour la première fois. Voyez, à quel moment? Quand Agar, l'égyptienne, pleurait parce que l'enfant qu'elle avait eu avec Abraham mourait de soif. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Yeshua, bien sûr, quitte le ciel. Pour qui? Pour ce bébé. Pourquoi ce bébé? Parce qu'il avait la semence d'Abraham. Ceux qui ont la semence de Dieu. Oh. Quand il pleure, tu n'as pas besoin d'être intelligent selon le monde pour que Dieu t'exauce. Il faut que tu sois de la semence. Dieu entend ses enfants. Oh, mes amis. Agar a été sauvée parce qu'elle avait ce bébé. Dieu n'abandonne jamais sa semence. Ah, jamais. Je vous dis, jamais. Il est venu chercher les siens. Je vous dis. L'enfant pleure, pas d'eau. Agar était chassée par Sarah et Abraham. Mais l'enfant était là. Et l'ange de Yahweh veillait sur le bébé. Dans le désert. Sans eau, mais la semence de Dieu en toi, la parole que tu as reçue, dans le désert, dans tes difficultés, tes persécutions, Dieu veille sur la semence. Satan vient pour t'agresser, pour te tuer, mais l'ange de Yahweh était là. Et l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer, frères et sœurs. Alléluia. Oh, Jesus. L'ange de Yahweh est entré en action à cause d'un enfant. L'ange de Yahweh, c'est Yahweh lui-même. Parce que dans Genèse 22, quand il est apparu à Abraham, lorsqu'Abraham voulait tuer son enfant, l'ange est apparu. Il dit, non, il y a le bélier qui est là. Il dit, je le jure par moi-même. L'ange parle comme ça. Par moi-même. Et dans Hébreux 6, 12, Dieu dit, l'auteur dit, Yahweh a juré par lui-même. L'Éternel, Dieu a juré par lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui.
Alors il dit, je le jure par moi-même. Donc l'ange de Yahweh est Yahweh lui-même. Gédéon a vu l'ange. Vous savez, les parents de Gédéon ont vu l'ange. Comment Gédéon a vu l'ange de Yahweh? Manoac et sa femme, les parents de Samson, ont vu l'ange de Yahweh. Et ils ont dit quoi? Manoac a dit, nous mourons parce que nous avons vu Dieu face à face. Oh, Jesus. L'ange de Yahweh est monté dans la fumée de l'offrande. Or, seul Dieu peut prendre l'offrande de quelqu'un, mes amis. Pas n'importe quel ange. Ça, c'est l'ange de Yahweh, c'est Dieu lui-même. Et dans Malachie 3, il est dit quoi? Soudain entrera dans son temple le messager de l'alliance, ou l'ange de l'alliance, c'est-à-dire Yeshua. Mais vous rendez compte, mes amis? C'est magnifique. L'ange de Yahweh, on le voit maintenant, Yeshua, c'est des apparitions de Yeshua, physiques, hein, avant son incarnation. Vous vous rendez compte, mes amis, là? L'ange la parle en son propre nom. Il dit, je le jure par moi-même. Genèse 22. Quelle puissance! Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit, Abraham, votre père a vu mon jour. Pendant l'âge de la promesse, mes amis, de la restauration de la foi, qu'est-ce qu'on y voit aussi comme préfiguration de Yeshua? Eh bien, on y voit aussi, mes amis, on voit qui? Melchisedec. Melchisedec, dans Genèse 14. Posez-moi la question, pourquoi Melchisedec était là? Pour restaurer la communion, restaurer l'adoration, le culte. Parce qu'il est venu en tant que grand prêtre. Or, les prêtres sont dans l'adoration. Vous comprenez, mes amis, là? Parce qu'avec, à cause d'Adam, l'adoration, la relation, la tête. Et là, le Yeshua lui-même, Melchisedec, vient. Et il vient avec quoi? Avec du pain et du vin. C'est le repas du Seigneur. Celui qui ne mangera de ce pain, ma chair, et qui ne boira de mon sang, hein, n'aura pas la vie. Eh bien, Melchisedec est venu avec ça. C'est pour cela que Yeshua dit dans Jean 8, votre père Abraham a vu mon jour. Il s'en est réjoui. Ben oui, parce qu'il a mangé le pain. Il a bu le vin. Parce que sans le pain, on ne peut pas être père de la foi. Parce que le pain, c'est la parole. S'il est le père de la foi, c'est parce qu'il a mangé le pain. Vous avez compris, là, mes amis, là? Alléluia. Jesus Christ. Il a mangé la Pâque. La Pâque, c'est le pain. Yeshua. Abraham a célébré la Pâque. Christ, c'est le pain de vie. Vrai ou faux? Eh bien, Yeshua est venu du ciel en tant que Melchisedec, roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem, fondement de paix. Et Yeshua dit dans Matthieu 5, Jérusalem est la ville du roi, du grand roi. Ben oui, roi de Salem. Melchisedec. Et quand il vient comme ça, il révèle à Abraham le nom de El Elyon. Le Dieu très haut. Ça, c'est la dimension de Melchisedec. C'est la hauteur. C'est la prière qui monte, l'adoration. Le prêtre qui adore et qui monte. La fumée des offrandes qui monte. Le El Elyon. Ça, c'est Yeshua aussi. Et voilà pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 6, vers la fin, il dit, Yeshua est venu comme Melchisedec. Il est le grand prêtre selon l'ordre, c'est-à-dire selon l'arrangement, selon, mes amis, alléluia, selon, n'est-ce pas, la position de Melchisedec. Et on nous dit dans Hébreux 7, tout le chapitre, ce Melchisedec était roi de Salem. Vous voyez? Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Vous vous rendez compte? Il n'a ni père, ni mère. Et on nous dit qu'il est le fils, il est rendu semblable au fils de Dieu. Donc Yeshua, en tant que Dieu, c'est le Melchisedec. Donc en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Il a un sacerdoce ou une prêtrise, ce qui n'est pas transmissible. Regardez l'auteur, c'est le temps nous manque, je clôture là, parce qu'il faut des questions et réponses. Dans Hébreu, on nous dit que, tandis que les prêtres, parce que quand l'épître aux Hébreux était écrite, le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit. D'accord? Donc il y avait encore des sacrifices mosaïques dans le temple. Christ était déjà au ciel. Ressuscité et parti au ciel. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit quoi? Tandis que dans le temple de Jérusalem, les prêtres sont debout, se tiennent debout pour faire le service, qui ne peut pas nous sanctifier, mais Christ, en tant que grand prêtre, s'est assis. Donc il y a deux types de sacerdoce. Le premier, les gens sont debout, en train de travailler, souffrent, tout ça là.
Mais lui, il a déjà tout accompli. Il est au ciel, il est assis maintenant, mes amis. Et il est assis avec qui? Il est assis avec toi, il est assis avec moi, il est assis sur le trône. Donc, c'est mes amis là. Oh my God. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis, en tant que grand prêtre? Tous les jours, il intercède. Tous les jours, toutes les secondes qui passent, quand l'ennemi veut t'attaquer, lui, il est déjà en une intercession, mes amis, indéfinie. Oh, mes amis, infinie. Même quand tu ne peux pas prier parce que tu es fatigué, t'inquiète pas, mes amis, là. Jesus Christ. Tu ne te sens pas condamné. Parce que ça peut arriver parfois, on ne peut pas, on est fatigué, on est Seigneur, garde-moi. Ça peut arriver. Mais il faut adorer quand même le Seigneur de temps, tous les jours. Mais là, même quand tu es malade, mais comment je vais faire? Ma maman dit, je ne fais pas 3 jours de sec, 3 jours à jeûne, je serai condamné. Non, mon ami. Non. Chaque jour, il y a une intercession. Mes amis, le sang crie victoire. Chaque jour, chaque jour. Il est assis. Il ne s'agite pas. Il n'est pas debout comme les prêtres dans le temple. Comme nos bishops aujourd'hui, mes amis, se fatiguent. Lui, il est assis. Il a tout accompli. Melchisedec. Vous voyez? Le pain, le vin. Abraham a vécu ça. L'ange de Yahweh, le père de la foi, Isaac, le sacrifice. Donc pendant l'âge de la promesse, on a la révélation du père Abraham, on a la révélation du fils Isaac, on a la révélation, on a même Christ, la résurrection aussi, parce que Abraham, Isaac a été ressuscité. Le bélier, c'est le père des brebis, on est d'accord? C'est la révélation aussi du père, le bélier. Ben oui, mes amis. Isaac dit, il y a le feu. Il y a le bois, vrai ou faux? Où est là? Le feu, c'est le jugement. Le bois, c'est la croix. Maintenant, on dit, mais où est l'agneau qui doit aller sur la croix pour que le feu tombe sur lui? L'ange dit, c'est le temps du Père d'abord. C'est-à-dire le bélier. L'agneau est caché. Jesus. C'est pour cela que quand Jean est venu, ça, je ne vais pas précéder, aller à l'avant. Quand Jean est venu, il a répondu à la question qu'Isaac a posé, plus de 400 ans après, plus de 1500 ans après, il a répondu, voici! Alléluia! Hey! Jésus est trop fort! Amen. Mes amis, vous n'avez pas compris qu'il a répondu à la question d'Isaac? Parce que personne n'a déjà baptisé, où est l'agneau? Mais il savait qu'il y avait une question qui peut être posée. Mais l'agneau n'a pas été donné, on a donné le bélier. Il fallait l'agneau qui a 1 an, qui est innocent, qui est un enfant. Voilà pourquoi on dit, un enfant nous est, un fils nous est. Hey, alléluia, alléluia. Acclame Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Il est trop fort, Jésus. Jesus. Alléluia. Dieu est glorieux. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Dis à ton voisin la parole. Dis à ton voisin la parole. La parole. Ouf. Il n'était pas le seul à répondre à la question. On amène Jésus à Pilate. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Parce que pour qu'un sacrifice soit agréable à Dieu, il fallait l'examiner. Qu'il soit vraiment sans défaut. Pilate, un païen, a examiné l'agneau. Il a examiné toutes ses coutures. Sa femme n'a pas dormi la nuit. Elle a souffert pendant la nuit en songe. Elle va voir son mari, dit, chérie, ne touche pas à cet homme. Il est juste. Il est sans défaut. Il n'est pas comme les autres. Il est parfait. Il est parfait. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 acclame-le, acclame-le. Ouf, ouf, Jésus, mon Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. 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 La parole. Il est là, le Seigneur. Il a dit, Jésus, il a dit,
Qui de vous peut me convaincre du péché? Il est le seul à avoir dit ça. Ah oui. Ah oui. Il est trop fort. Il est trop fort. Waouh. Regardez, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez, asseyez-vous, vous allez voir. C'est pas fini. Il fallait que l'agneau soit examiné par les païens qui n'étaient pas soumis à la loi de Dieu. Ils l'ont examiné. Ils l'ont examiné. Toute la nuit, la femme a rêvé. Oh non, non, il est juste. Pilate a dit, amenez-moi une bassine. Remplissez-la d'eau. Je me lave les mains. Je ne suis pour rien dans hein, le sang de ce juste. C'est votre affaire. Oh, yo, 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 yo. Oh, ya, 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 ya. Alléluia. 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 Donc, il fallait un deuxième examen. Cette fois, c'était la législation juive. C'est-à-dire les religieux. Ils l'ont examiné. Ils l'ont examiné. Ils ont pris des faux témoins. Ils l'ont examiné. Ils ont vu qu'aussi, il était sans défaut. Oh, alléluia. Alors, Pilate prend Jésus-Christ. Il l'amène devant la foule. Il dit quoi dans Jean 19? Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici Adam. Voici l'homme. L'homme, c'est Adam. Voici Adam. Voici l'homme. Voici l'homme. Il a répondu à la question d'Isaac, un païen. Voici l'homme. Ouh. Jesus Christ. Il y a un pasteur congolais qui s'appelle Voici l'homme. C'est un antichrist. Voici l'homme ne s'applique qu'à Jésus seul. L'homme de Galilée. L'homme qui peut sauver l'humanité. Parce qu'il n'a pas sauvé l'humanité en tant que les hommes en tant que Dieu. Il a sauvé les hommes en tant qu'homme, ayant l'esprit de Dieu. Il a vaincu Satan, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Parce que Dieu ne peut pas se comparer à Satan. Dieu est trop fort. Dieu est... Satan est quoi par rapport à Dieu? Satan est qui par rapport à Dieu, frère? Dieu a dit, non, je suis trop fort pour toi. C'est moi qui t'ai créé en tant que chérubin. Tu es devenu malin. Maintenant, tu vas voir. Je veux devenir homme. Je prends la chair que tu as vaincue, là, la chair faible que tu as manipulée. Je prends cette chair-là. Oh, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme le plus beau. L'homme le plus... Oh, l'homme le plus galant. L'homme le plus puissant. L'homme le plus magnifique. Il est magnifiquement magnifique. Il est grandement grand. Jésus de Nazareth. Voici l'homme. Il a présenté. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Que son sang retombe. Ils n'ont pas compris qu'il prophétisait. Parce que si le sang n'était pas retombé sur nous, on ne serait pas purifiés, frères et sœurs. Alléluia! 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 Oh Jésus de Nazareth! Alléluia! Oh Jésus de Nazareth! Alléluia! 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 Jésus est trop fort, frères et sœurs. Ah, non, je l'aime. Je l'aime. Alléluia. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mes frères, alléluia. Et Dieu avait dit quoi? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Le sang purifie. Le sang est tombé sur nous. Purification. Ces enfants, ces hommes-là, cette foule, étaient coincés dans la prophétie. Oh, Jesus. Il fallait la libation. Libation, c'est quoi? Répandre le sang. Ah, ben, c'est ça, la libation. Que le sang retombe sur nous. C'est ça, frère. La parole. La parole. La parole. Le grand prêtre, Caïphe, lui pose la question. Es-tu le Messie ou pas? Dis-le nous maintenant, franchement. Es-tu le Fils de Dieu ou pas, là? Jésus dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme descendre du ciel. Le grand prêtre prend ses vêtements. Tchao! Or, Dieu dit dans la Lévitique que les grands prêtres, le grand prêtre ne devait pas déchirer ses vêtements. Parce que s'il le faisait, il mettait fin à son ministère. Et cet homme n'a pas compris qu'en déchirant ses vêtements, il a mis fin à son ministère pour laisser la place au grand prêtre. Par excellence, selon l'ordre de Melchisedec, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est là. Jésus. 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 Oh Jésus. 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 Oh Jésus. 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 Oh Jésus. Le roi des rois. Jésus. Notre grand prêtre. Jésus. Oh Jésus. Ouh, c'est magnifique. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons. Nous te magnifions, Jésus. Oh oui, tu es grand. Alléluia. Waouh. Waouh. Il est trop fort. Seigneur, tu es grand. Tu es magnifique, Seigneur Père. Ah oui. Ah oui. On peut prendre place. Voyez à quel point Dieu est grand. Il a cédé sa place. Vous savez pourquoi? C'est le grand prêtre qui est venu. C'est le Melchisedec. Parce que sa mère, Marie, était de la tribu de Lévi. C'était une lévite. Et son père, de la tribu de Judas. Judas, c'est la royauté. Lévi, la prêtrise. Et l'autre, il déchire ses vêtements. L'onction de Christ est telle que, il n'a pas besoin de dire, cède-moi ta place. Les gens cédaient eux-mêmes. Parce que le grand prêtre, quand il s'approchait de Dieu, il fallait qu'il soit couvert. Or, ce monsieur, on pouvait voir son corps, on pouvait voir ses parties intimes, parce qu'il y avait des trous partout. Il n'était plus couvert. Voyez? Oh mon Dieu. Vous savez quoi? Il est né roi. Il a grandi comme un roi. Il a parlé comme un roi. Et quand il l'a arrêté, il n'a pas dit « mettez-moi une couronne ». Ils ont pris une couronne d'épines. Jésus? Ah non. Je l'aime. Je vous dis, je suis amoureux de Yeshua. C'est jamais homme ne m'a touché comme Jésus. Tous les actes qu'il posait là, c'est des actes prophétiques. On a dit quoi? Couronné de gloire. Ah, je vous dis. Oh mon Dieu. Ils ont pris une couronne d'épines sur ta tac. Ils ont pris, mes amis, un manteau de pourpre, tout ça là. Tac, tunique royale. Ils ont pris un bâton. Tout était prévu. Il se mettait à genoux. Oh, roi des Juifs. Il n'a pas dit, mettez sur un panneau là, tout ça, une espèce d'écritoire là, tout ça là. Celui-ci est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Mm-hmm. C'est eux-mêmes. Ils ont écrit. Ils ont fait écrire ça par qui? Par Pilate, un païen. Pilate a gravé. Tac, 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 tac. Ils ont mis pain. Les Juifs lisent ça, ils disent, non, il faut qu'il change. Pilate, oui, il faut que tu mettes celui-ci a dit. Pilate a dit, ce qui est écrit. Hey! Frère! Je veux dire à quelqu'un qui est fatigué, si ce qu'un homme a écrit ne pouvait pas être révoqué, et ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a gravé, là où Dieu a dit que tu seras avec lui au ciel, qui peut te sortir de là? Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Frère, ils vont te faire la guerre, c'est normal. Mais Dieu a écrit que tu vas mourir dans la gloire, que tu vas achever la mission. C'est écrit. Il a dit quoi? Tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra pas jamais. Un seul iota, une petite lettre là, de la famille grecque. Aucune lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne t'inquiète plus. Ne pleure plus. Ne te dérange plus. Fais confiance à Dieu. Ne sois plus agité. Ne sois plus tremblant. Crois seulement. Pas en moi, mais en celui qui nous a créés. Yeshua de Nazareth. Frère, il mérite qu'on le loue. Jésus. On a fini. Question? Oui, mon frère.
C'est par rapport à la restauration de la foi, mais quand la foi est partie, Abel avait la foi, mm-hmm. mais Noé, mm-hmm. Il n'est pas parlé qu'il ait eu la foi. Il a cru, il a suivi Dieu, tout il a marché avec Dieu, mais il avait la foi. À quel moment ? En fait, la foi, et quand Adam a chuté, bien sûr, la foi a disparu. Ensuite, Abel est venu. Il avait foi, selon Hébreux 11. Donc, Dieu a restauré la foi et, avec Abel. Tac, Abel est, mort, est parti. Et dans Genèse 4, on a dit que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Donc, ils ont retrouvé un peu la foi, tout ça. Et ensuite, il y a eu Noé. Par Noé, Dieu va restaurer la foi parce que après Seth, à l'instant de Seth, ben, il y a eu ce mélange entre les filles des hommes et les anges qui sont descendus du ciel, qui sont tombés. Et donc la foi, ça c'était aussi le plan de l'ennemi pour détruire un peu la foi, même beaucoup, totalement. Et la foi a été restaurée par Noé, le Seigneur l'a restaurée. Cette foi n'était pas, beaucoup ne l'avaient pas reçue à chaque fois. C'était juste une personne à chaque fois, une personne à chaque fois. Et Dieu voulait que cette foi vraiment soit, comment dire, communiquée à tout un peuple. Et ensuite, il y a eu le déluge. Donc, Noé a gardé la foi, il a transmis comme on a vu à Sem. Et Sem, selon les historiens, certains historiens, donc, l'a communiqué à Abraham. Et Abraham l'a eu. Et là, vraiment, le Seigneur va se servir de ce monsieur, particulièrement pour expérimenter la foi, parce qu'il devait sortir, tout quitter. Et, ça, c'est vraiment la démonstration de la foi pour suivre le Seigneur dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et donc, il y a le détachement, il y a la séparation. Il y a eu aussi le sacrifice de son fils. Hein, donc, il a cru que Dieu pouvait le ressusciter, tout ça. Donc, il a communiqué cette foi à sa... Déjà, Sarah... Donc forcément qu'elle était avec, même si au départ elle était un peu hésitante. Donc ensuite Isaac. Et Isaac par la suite, ben, les 12 princes, notamment Joseph et cette nation israélite. Donc Abraham particulièrement a été utilisé vraiment pour le Seigneur pour restaurer la foi même chrétienne. Et c'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi carrément, Paul le dit. Et ça c'est fort. Donc voilà. Mais à chaque fois c'était transmis par une personne. Et le Seigneur voulait que ça soit globalisé. Moi, j'ai une question par rapport à la foi aussi. En fait, on doit avoir la même foi qu'Abraham a eu. Effectivement. Donc, en fait, lui, il était. Est-ce qu'on peut dire qu'il était déjà chrétien, en quelque sorte, dans sa conception, vu qu'il croyait en Dieu ? Bien sûr. Que Dieu allait faire, en fait. Bien sûr, parce qu'il a vu Christ aussi en même temps. D'accord. Le Seigneur l'a dit. C'est le père de la foi, et pas seulement la foi à son époque ou à l'époque de Moïse, mais même par rapport à l'Église, parce que nous sommes considérés comme ses enfants. Voilà. Et Dieu, même dans Isaïe 50, dira aux enfants d'Israël, portez le regard sur votre père, sur Abraham. Lui seul, c'est lui seul que j'ai appelé. Donc, oui, effectivement. Ouais. Mais on ne va pas dire chrétien comme nous, dans le sens où nous vivons pendant la période de la grâce, l'âge de la grâce, dont on va parler certainement demain. Voilà. Oui, on va donner le micro. Comment ? Isaïe combien, tu as dit ? Isaïe 50. Voilà, on a été encouragés. Donc, une dernière question, frère, il se fait tard. Donc, demain, on va partager les... Donc, on a parlé quatre âges. Donc, demain, on va finir les âges, là. On va tout faire pour finir les âges. Donc, on arrête là. Et que le Seigneur vous garde, en tout cas. Merci pour votre compréhension. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Merci.